Voilà, hein, aujourd'hui, live très très relax. Pas tryhard, hein. Je suis pas venu pour ça. On est bien d'accord. Moi, tryhard, un peu compliqué, évidemment. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, du coup, on va tenter de niquer le game. De déboîter tout le monde sur Minecraft. J'ai joué beaucoup à Minecraft, on va dire. J'ai une grosse période de Minecraft quand j'étais plus petit. Il y a le son du jeu là. J'aime pas la musique du jeu. Off. Du coup, ouais, je disais. Que moi et le Nether, ça fait de 45 du coup. Comment dire, je ah, les ghasts, c'est ma plus grande phobie. Les Enderman aussi. Mais je crois que pour avoir les Enderpearl, faut juste faire des échanges avec des pygmées. Je crois que c'est ça. Donc en vrai, ça va. C'est que je veux pas mettre en full screen. Enfin, vous aurez une différence, mais c'est pas vraiment mon chrono que je fais ça. C'est une seed aléatoire, évidemment. Speedrun. C'est comme ça, More World depuis je down. J'ai pas le droit de bouger. Dès que je bouge, je suis obligé de lancer le chrono. Et du coup, je vais d'abord regarder mes alentours avant d'avancer. Petit problème que je vais tout ce qu'on faire pour commencer. Le droit de pas un bon, là, alors on commence avec le bois. En fait, il faut qu'il y ait un village pour prendre de la botte de paille. It's not my skin, but commence à se faire une pioche. Oh, attends, je vais faire un peu visiter parce que trouver un village c'est un peu compliqué. Plus un village avec un golem, je sais pas s'il y en a partout. Je suis pas pro village, moi je vous le dis direct. Et aussi, je meurs dès le début, je m'en serais voulu, vous savez. Alors, tac, tac, tac. Alors, je suis très très mal. Déjà, j'arrive même pas à nager correctement. Sans village, attends, non, même pas. Sans pas le village. Putain, mais comment? Comment je fais moi aussi, moi? Je m'en fous de combien je fais. Moi, je veux juste réussir ce putain de speedrun. Bon. Je crois que j'ai pas trop le choix. Mais comment lancer les deux?
c'est parti. Peut-être rapprocher un peu le micro pour que vous m'entendiez. Du coup, attends. J'espère apparaître évidemment sur. Si je suis sur une île, je. Putain. J'ai bougé un peu, mais c'est pas grave. J'essaie de regarder aux alentours, mais je vois que des îles. Non, on est sur une île, c'est bon, frère. Allez. Je crois qu'il faut faire beaucoup de run. Je t'attends sur une seed avec un village. Hein, parce que sans village, ça va être un peu compliqué. Par contre, au niveau des chunks, je vois pas grand chose. S'arrête à 20 chunks. Bon. Là, j'ai perdu des secondes. Un bouton moi aussi. Dégage toi. Méchant poulet. Dégage toi.
pas très vieux. Mais... C'est long. Et se taper ce cochon, ça m'a fait arrêter dans ma course. J'adore la ville. En fait, c'est juste. C'est un village ça? Non, c'est 3 blocs. Je pensais que c'était un village. Je me suis dit non, il y a un problème avec la distance et tout. Non, c'est juste 3 pauvres blocs. Ce truc là, j'ai confondu. J'ai confondu ce putain de colline avec une putain de village. Je m'en fous, l'appel New World, j'ai pas les couilles. Ok. Oh oui. Oh. Allez, 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 allez. Il faut qu'il y ait un golem. Je sais pas s'il y a tout le temps un golem dans un village. J'espère qu'il me faut de la botte de foin. Elle ou la botte de foin. Là-bas. Oh oui, le golem. Ok. Alors faire un truc de 3 pour pas que le golem nous tape. Puis ensuite. Alors. On fait ça. Mais c'est dans les maisons qui font des lits.
peu plus fort car je ne t'entends pas trop, sinon t'es le boss. Ok. Ouais, j'ai... Putain, purée de carottes, de pommes de terre. Pour une fois que je trouve un village, je me fais buter par un putain de golem. Je crois que j'ai mis trop de couches de blé. Là, je suis en train de speedrun Minecraft, mais c'est pas la joie en tout cas. Je sais pas si tu m'entends bien, mais j'essaie de parler le plus fort possible. Et je peux pas parler trop fort non plus. Des renards et tout. Je sais pas si y aura un village, hein, je vous le dis. T'as vu à l'école? Non, j'ai pas vu. Ta mère? Mais non! Mais dégage, zombie! Oh, putain! Mes frères, c'est bon. J'en ai marre. Du coup, non, il s'est passé quoi à l'école là? On est en quarantaine, donc là c'est fermé, je suis négatif. Ah, ok! Oui, ça je l'ai vu, TKT. J'ai fait le test lundi, donc hier. Et ouais, j'ai vu le résultat aujourd'hui, je suis négatif, du coup je dois faire le test vendredi. J'avais la vie. Ouah, c'est tellement symétrique ce truc. Oh mais purée, mais j'en ai marre. Donc le bordel et le Covid, j'en ai ras le bol. Je pense que tout le monde en a marre. Une plaine, sûrement qu'il y aura plus de plaine. Le pire, c'est qu'on a le CMRD là. En jouant, on va être dans la merde. Non mais je suis pas sur une putain d'île. Oh mais fais chier frère.
samedi, on n'a pas continué le cours cette semaine. Ouais, d'accord. C'est pour ça que moi, du coup, des fois, je crois que je vais demander au prof ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Essayer de nous appliquer. Oh non, je suis dans une jungle. Entendre quand même. Oh putain, j'ai perdu du temps. Quoi? Le truc s'est reset parce que j'ai récupéré un bloc. Oh putain. Évidemment, je vais pas casser tout l'arbre, c'est ce que je fais avec les arbres qui sont entre eux. Là, je mange assez trop. C'est le pire biome. Merde. Je crois que j'aurais dû quitter dès le début. Puis tu as fait quoi de beau samedi? Samedi, dimanche et hier. Samedi. T'avoue, je fais pas trop, je fais pas grand chose. J'ai beaucoup joué. Donc ouais, j'ai pas grand chose moi de ma vie. Je joue beaucoup, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai stream hier et avant-hier. J'ai joué avec quelques potes. Oh putain, y a pas de village. Par contre, il y a une structure là-bas, frère. Aujourd'hui, hier, je me suis fait tester. Aujourd'hui, j'ai fait des courses. J'ai pris à boire. J'ai mangé. J'ai regardé des séries. Là, je suis en live. Je fais pas grand-chose de mes journées. Je suis très simple. T'as des shaders? Je pense pas. Je suis pas un petit fan. Non, j'en ai pas. Je suis en mode normal. J'ai que des ressources pack à la limite. Mais j'ai pas de shaders. Oh putain, je suis dans une putain de montagne. Et des crevasses et tout. J'ai failli mourir, frère. Tu sais qu'il y a eu que une en classe. Tu vois, t'avais trois gens, j'ai pas envie de dire deux noms, tu vois, je suis en live. Mais t'avais trois personnes qui étaient absentes. C'est quoi, on va donner des noms de code. Trois personnes qui étaient absentes, je vais dire premièrement la première lettre de leur prénom. Il y avait N, A et G. A avait dit dans le groupe Facebook qu'il avait seulement fait le test et du coup. À ce moment-là, on savait pas s'il l'avait, du coup, forcément, c'est N et G qui l'avait. Ouais, bon, je pense que j'ai fait un truc. Tu vois de qui je parle quand je dis N et G. Chromatic.
demande, en tout cas, elle m'a dit qu'elle l'avait. Elle, en tout cas. Non, le signe qui s'est ouvert. Vite. Pendant ma course Steam. Non, Steam, purée. Pas gentil. Question dont on n'aura jamais la réponse. Je sais pas. Oh putain, il y a des connards qui gueulent dans ma rue. Faire casse les couilles. Ta gueule, frère, il est 22h, 23h. Ferme ta gueule. Il est 22h, 23h. Je sais même pas de quelle heure. Il est 22h43. T'as un mec qui gueule dans la rue. Forcément, il est bourré. Bah ouais, les bars sont ouverts en terrasse, mais ils sont ouverts. Je mets de l'eau tartée, frère. Non, mais je te jure. J'avoue, les bourrés. Un mec qui gueule dans la rue, forcément il est bourré. Un mec normal ne peut pas gueuler ça dans la rue à 22h43 en Belgique surtout. C'est que j'arrive jamais à finir le speedrun. Tout à fait possible. Ça te dérange si je parle pas dans le chat car rien à dire? Non, moi ça me dérange pas tant que tu passes un beau moment. Si jamais t'as des trucs à dire, tu me le dis, moi j'arrive à combler tout seul. Il n'y a pas de village, ça me saoule. Aïe, c'est mal. Pas de village. On tombe suicidé. Bon, voilà. Moi déjà, Minecraft, je l'ai jamais fini. Enfin, Battle of the Dragon, je l'ai fait en créatif. The 12 000, je l'ai jamais fait en solo, j'ai jamais réussi. Ah oui, moi ça me fait penser. Le temps. Moi ça me fait passer le temps et ça me fait passer ma soirée. Ouais, ça fait passer la soirée de faire des lives comme ça, chill, sans prise de tête et tout. J'ai l'impression qu'il y a un village avec des gens. Pourquoi tu quittes tout le temps? En fait, je vais t'expliquer, le but d'un speedrun, c'est de finir le jeu le plus rapidement possible. Si j'arrive pas à trouver un village, c'est ce qu'il me faut le plus important, du coup, je perds du temps et forcément, je dois relancer la run. C'est ça le principe. Dans des villages, en fait, t'as des golems et les golems te permettent d'avoir du fer dès le début. Et t'as de la paille et tout. Voilà. En fait, c'est juste finir le jeu le plus rapidement possible. Si t'arrives pas, j'ai oublié de quitter tout le temps. Putain, j'ai fait deux établis, frère. Alors, ça sert à rien de le récupérer. Je crois que j'ai spawn sur une île. Ok, merci pour le renseignement. Bah, de rien. Et je crois
crois que j'ai spawné pas du tout dans un bon endroit. Je vois pas de village. Dans les biomes montagnes, c'est là où il y a le moins de villages. Faut que je sorte d'une plaine pour trouver un village. C'est la partie la moins amusante, c'est créer une partie. Des chevaux, une forêt. Y'a rien, putain. C'est le vide intersidéral. Y'a pas de vie. Le personnage bleu, c'est qui? Du coup, la personne que tu vois là, c'est un personnage que j'ai créé qui me représente moi. Enfin, ça me représente pas moi parce que j'ai créé un peu le background du personnage. Parce que c'est ce que c'est un background, c'est l'histoire. Et en fait, le personnage autoproclamé le fils d'Hadès, mais il ne sait pas parce qu'il a été abandonné. Donc forcément, il a connu la dépression, il a connu l'amour, tout ça. Ce que je n'ai pas connu, évidemment. Et si tu veux, il s'appelle Hadès. Bon, en vrai, tu peux m'appeler par mon vrai prénom, ça me dérange pas. Normal, il parle quand tu parles, quand tu bouges, il bouge direct. On dirait que la strafe, mais bon, il est grave stylé. Merci, oui, c'est normal qu'il bouge quand je bouge et qu'il parle quand je parle. C'est parce qu'il est ce personnage est relié à ma caméra et du coup, quand je fais un truc avec ma tête, bah, il le fait. Après, de dire que ça ressemble à Classcraft. Je sais pas. Sauter de là, c'est un peu risqué. J'ai pas trop le choix. C'était évident. C'était évident. Ah, ok, j'ai compris. Il est grave stylé. D'accord. Bon, merci. Faut que j'arrête le temps. Bam. Ah merde. Attends, c'est quoi là? Comment ça, je vois plus rien. Attends. Oh non. Il se faisait quoi là? T'es que screenshot. Tu notes.
c'est les appuyer sur une touche. Attends. Tu n'as plus de bras, mais oui, j'ai plus de bras, je comprends pas. Attends, je vais fermer ça. Ok. C'est bon, j'ai des bras. Attends que ça revienne. Attends, tac. Ok. Du coup. Ah mais du coup ouais. Attends. Faut que je fasse un truc. Tac, tac. Non, attends. Paramètres. Tac. Bon du coup, ouais, c'est ça le problème. Ah non mais. Voilà, ok, tout est bon. Du coup, reprendre ma run tout à fait normalement. Il n'y a eu aucun problème. Je mens pas du tout. J'ai eu de problème au niveau de mes bras. Ils étaient tout à fait alignés. Ta mère, la chèvre, brebis, tout ce que tu veux, juste, c'est pas cool. Je veux pas trop le village de sitôt. Hein. Frère, j'avais un village tout au début, je l'ai perdu. À une de mes runs, j'avais un village. Le problème, c'est que je me suis fait buter par un méchant golem de fer. Aussi, je l'ai tapé, c'est moi qui l'ai cherché. J'ai mal géré. Mais c'est pas gentil ce qu'il a fait. J'ai même pas repris ma table de craft. Une pomme, si j'ai de l'or, je peux faire une gapple. Ben non, pas pourquoi, parce que l'or je dois les donner aux pinglets qui vont me donner des enderperles et tout et tout. Moi, vous avez compris le bail, c'est compliqué as fuck, c'est horrible. Le speedrun, c'est de la torture, mais c'est de la bonne torture. Façon, c'est de la torture, qu'est-ce qu'on risque?
Ok, je peux plus courir, je vais devoir manger ma pomme. C'est bon les pommes. C'est Jacques Chirac qui l'a dit. Donc c'est forcément bon. Haha. Juste parce que de toute façon c'est fini, je veux juste massacrer ce mouton. La vie est une torture. Ah ouais, c'est pas faux. Non. Le jeu il rentre pas dans le cadre, et du coup c'est un truc moche. J'ai pas remarqué ça. Il y a vraiment Tim qui s'est lancé putain de carottes. Oui. Bah ça c'est bah c'est la vie hein. Voilà, la paf, ça on peut supprimer. Combien de temps que je live? 43 minutes. Ah ouais, chaud. Bon, c'est mardi. En vrai ça va, je le suis pas tant mal, si mal que ça en vrai que lui. Oh, je suis dans un bon biome pour 3 villages. Oh non, il y a un village abandonné. Oh, fait chier. C'est un village, mais c'est pas ouf comme village. Parce qu'il est abandonné. Bon, c'est parti. Merde, putain, j'ai pas plus de temps. Normalement, dans ce biome-là, il y a souvent des bons villages. Donc, c'est peut-être mon jour de chance. Tomber sur un village abandonné, c'est pas de pour. En vrai j'ai pas compris pour une crise générale quoi, Covid. Genre juste il fallait rester chez soi, ça aurait parti très vite. En vrai rester chez moi c'était pas un gros problème que ça, juste failli perdre un peu la boule, mais ça va parce que je pouvais faire des streams, beaucoup de streams, et les streams c'est cool. Bon, c'est un village abandonné, donc ça a un peu visité. Et je crois qu'il n'y a que ce village. Hein. Yes. Je vais aller vers là-bas. Hein. Je vais foncer jusqu'à ce que je trouve un village. Et si en 5 minutes j'ai pas de village, bah, je vous quitte. Et je refais une partie. Oh putain. Mes frères. On va se calmer. Oh putain, mon Enderman, je déteste ça. En vrai c'est le bruit qui me fait peur, et vu que là j'entends zéro bruit, je vais peut-être essayer de me castagner avec. Attends. Il est là-bas. C'est quoi, je le regarde dans les yeux. Yes. J'ai jamais dit que j'étais bon en PVP. C'était quoi ce rire, frère? Je crois que je vais je vais speedrun un autre jeu. Hein. Minecraft, c'est pas ma cam. T'inquiète.
qu'est-ce que je peux speedrun. Tac. J'ai quoi comme jeu là? Que je peux speedrun. J'ai. Peut-être au pire je speedrun pas et joue un jeu normal. C'est quoi? J'ai trop envie de jouer à FIFA. Je vais jouer. Je sais toujours pas écrire un joueur. Jouer à FIFA. Yes. Mais pas n'importe quel FIFA, le seul FIFA que j'ai, évidemment, c'est FIFA 19. Je suis très dans la vie, dans le turfu. Moi je suis très dans tout ce qui est renouveau. C'est pour ça que j'ai FIFA 19. Pas le 21. Bon, y a rien qui change à part le fait que bah, y a les nouveaux joueurs tout ça, mais je m'en fous. Osez-moi me dire qu'il y a une différence entre FIFA 19 et FIFA 20. Il y en a aucune. Bon, si. Ils ont perdu les droits de la Juventus, du coup c'est plus Juventus de Turin, c'est Piemonte Calcio. Mais on s'en fout. Ça reste la Juventus, enfin, ça reste la même équipe. Bon, comme d'habitude, hein, ma manette a bugué. Et bien évidemment, je le sentais venir le bug de manette. Le problème, c'est que je peux pas jouer si ma manette bug, évidemment. C'est plutôt logique, vous allez me dire. Et oui, c'est tout à fait logique. Et du coup, à chaque fois, je dois supprimer le périphérique de ma manette. Et le remettre. Ce qui est très énervant, vous allez me dire. Oui, ça l'est. Ça l'est, ça l'est. Très chiant. Très très chiant. Je dois désactiver ma manette, la réactiver. Vivement que ma manette. Demain, je crois. Enfin, est-ce qu'on y est? Pas encore le mercredi. Mais normalement. Entre le 12 mai et le 1er juin, je reçois une autre manette
Rita Bodé, quand tu la connectes. C'est ça que je déteste le USB. Et que je préfère franchement le Bluetooth. Tu vois, avoir un casque vert et tout, tu vois, les casques verts avec les petites manettes, ou alors un casque avec des capteurs sur les bras et tout, et pouvoir bouger, ce serait incroyable. Je pourrais me taper ou faire un dab. Je peux faire un dab de la tête. Ça ressemble à ça, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme mode de jeu? On peut peut-être faire l'aventure. Faire une compétition, faire du fut. Le fut, c'est pas ma cam. Moi, je suis plutôt dans la carrière de joueur. Moi, Anderlecht. C'est la base. The base of the base. Choisissez Crève Pro. Je vais pas faire quelqu'un qui me ressemble, tu vois. On s'en fout des prénoms, hein, évidemment. Je vais faire quelqu'un que personne ne connaît. Qui a une nationalité. Alors. C'est parti, on va faire du aléatoire. Et je m'arrête maintenant. Oh putain, je dois trouver une équipe qui est de base dans le truc là-dedans. Il y a l'Irlande du Nord, l'Islande, ah l'Italie, oh le Japon, ah je m'en fous, c'est un japonais. Ok, ça on s'en fout franchement. Du coup, faut qu'il ressemble à un japonais. En fait, pas du tout. Hein, il peut ressembler ou pas. Moi je le verrais bien avec cette coupe. Avec pas de barbe, des yeux, pas rentrer dans les clichés non plus, mais tenter de faire quelqu'un, tu vois. À moi comment faire quelqu'un qui est d'origine japonaise. Moi je suis pas japonais, j'ai pas le droit de juger. Quelle couleur de peau irait avec Thomas le japonais? Moi Thomas le japonais, il a une peau un peu bronzée. Ouais, il s'appelle Thomas le Croix, c'est Thomas le Croix japonais. Les sourcils, enfin, des sourcils un peu choqués. Le mec il est choqué de ce qu'il vient de voir. Ses sourcils ils sont évidemment fins. Il est très choqué et déçu. Ça c'est un mec choqué et déçu. Tu m'as déçu frérot. Non, on peut arrêter de toucher. Moi notre petit Thomas, je le verrais bien en milieu en MOC, ouais. Un meneur de jeu, il ferait 1m78 pour 67 kg, physique évidemment il est maigre, il est du pied gauche, et voilà on a Thomas le japonais. Un nouvel homme fort pour l'équipe, le joueur de 21 ans cherchera à faire bonne impression dans son club. Y a pas de blague. Voilà, on est très cette sauvegarde. Je peux pas faire plusieurs sauvegardes, ça me saoule. 4 sauvegardes minimum, c'est très peu. Il faut arrêter la simulation. Je dois faire d'abord mes petits entraînements. On va faire un entraînement comme ça. Entraînement ici.
tous les entraînements difficiles pour avoir beaucoup de points. Et en vrai, il peut plus se louper en faisant ça. Mais là, tu vois, il se loupe pas tellement fort. Voilà, c'est Thomas le japonais. Il joue au RC Anderlecht. RCS Anderlecht. RSC Anderlecht, pardon. Putain, il est en milieu, vraiment en milieu offensif. Je joue que la croix, je vais pas jouer les autres gens. Oh putain, il est débile. C'est parti pour le match. C'est deux équipes qui vont donc disputer okay. La première compétition de la saison. La Coupe européenne internationale. Non, pas le mode d'entraîneur. Oh non. Oh non, non, non. Oh, il y a un masque. Hein. Oh, qui permet aux équipes d'affiner leur préparation. J'en ai rien vaut une vraie compétition pour savoir en situ. Notre rendez-vous aujourd'hui, c'est Anderlecht face à Middlesbrough. Vous découvrez maintenant la composition d'équipe. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1 semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer. Avec un tir, le défenseur qui contre ce ballon. Et donc Ayembe. Il prend la frappe. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Tu vois, je suis le ballon parti très loin. C'est dégagé. J'arrive à jouer une perso. Alexis et le Marquers. Je suis pas forcément centre du monde, regarde. La passe à mon coéquipier. Oh, il est l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Incroyable ce joueur. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Ah ouais, mais on traîne pas, nous. Ah, on est comme ça. Sans contrôle, qui ne laisse aucune chance au gardien. Oui, tout en spontanéité, Hervé. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Je sais pas comment t'es si fort. Et donc, IMB. Ah, elle va reprendre le jeu assez facilement. Là, tu penses qu'on est trop fort. Alexis et les Marquers. Ça, c'est le Anderlecht. Très, très, sans doute venir. Très bonne équipe. Allez, le ballon en retrait. Et mais... le but dans mon but. Il y a un problème. On est beaucoup trop fort. Premier but de Thomas Japonais. Je traverse son coéquipier. Comme tout le monde, on traverse toujours dans ses potes. Ça fait 2-0 et 2-0. C'est très, très le jeu vidéo. Je sais pas. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Salon Makers. Josh Frame. Yes. Johnny Hobson. Asso Balonga. Jordan Aguil. Il passe qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Voilà. Thomas Delacroix. Cette coupe européenne internationale qui est le dernier acte. Quel homme ce Thomas. Ouais, c'est bien parce que ça permet aux joueurs de vivre ensemble une compétition avec moins de pression. Et pour le reste de la saison, ça reste quand même une compétition. Oui, il va centrer là. Ok, c'est un corner. Le ballon en dernier. Corner donc. Non, je suis pas trop corner. Je sais des choses. C'est l'équipe de la surface. Et ça continue. Au corner. Joueur à suivre avec Walking Sticky. Dommage. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Peut-être ça aurait été mieux. Joueur à suivre. Je sais pas. Regroupement défensif. Hein. C'est très net. Je pense de le savoir. Thomas Delacroix. Gerkens. Et donc Ayembe. Ayembe. Il lève la tête, il va centrer. Ayembe, absolument. Oh, ils ont vraiment la main mise sur le ballon. Et le... attention à la frappe. Ouf, presque. C'était... le ballon sort en corner. Il y a beaucoup d'occasions en tout cas, de notre côté. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Et donc Ayembe. Ouais, il a le temps de centrer. Le gardien qui se frise hein, sur cette tête. Hein. Ah, t'aimes ça les bouclettes, hein. Ouais, ça n'arrête facile. Il y a vraiment un mec, son nom de famille, Jordan c'est Ami. Enfin, la traduction de son nom de famille. C'est pas le Friends. Allez, il y a du champ, Friends. Et peut-être une bonne opportunité pour Middlesbrough. Comme si moi, je m'appelais Tartiflette. Oh, avec Cobourg.
Incroyable ce joueur. Ah, il fallait être là. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer. Heureusement, il est intervenu à temps. Qui a beaucoup de japonais, c'est plus Thomas. Et donc, Ayembe. Bravo, je t'ai fait une belle passe et tout. Toi, tu me fais ça. Allez, tu me fais soin. Et peut-être une bonne opportunité pour Middlesbrough. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Birkens. Et donc, Ayembe. Se contente de faire circuler le ballon, à toi, à moi, et l'adversaire, il faut bien lire la sphère. Birkens. Il prend sa chance. Mais. Et c'est un but. Il y a un problème. Attends, je vais regarder les paramètres. C'est que là, il y a un problème. C'est ça le problème. Ouais, non, ouais, je me suis dit, c'est un peu cheaté tout ça. Pourquoi ça bouge ça? Non, oui, maintenant il n'y aura plus de problème, on sera pas si fort que ça. On sait juste qu'on était trop fort. Mais non, en fait, on j'ai triché. Ce but, non, je savais pas. Oui, c'est surtout un but qui leur permet d'accroître leur avance. Maintenant, ils peuvent se contenter de gérer le match tranquillement. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. On ne s'enlève pas au fait que Thomas Delacroix, Thomas Lecroix, c'est un homme non, fort. Non, elle a intercepté cette passe. Moi, je pense que ça reste un homme fort. Avec ou sans truc comme ça. Allez, faut le tacler. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Et c'est la fin de la première mi-temps. L'arbitre qui siffle à l'instant de la fin de cette première période. Ok. Moi, je pense que c'est très bon. On n'est pas prêt d'un but. Attends, je vais juste aller à mon sujet. On n'est pas prêt d'oublier ton but. Quelle maîtrise technique, Del Vista, sur l'action qui a amené le but. Tes passes courtes ont été très efficaces. Tu as distillé de super passes. Tu as systématiquement cherché à porter le ballon vers l'avant. Évidemment, on joue sur la ligne de l'avant. Après le repos, il y aura un petit peu plus de position en face. De la croix. Thomas Lecroix. Toujours à dire de la croix, c'est Lecroix. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. C'est un ding. Non, c'est pas le l'espace. Ballon est perdu. Ah, là, ça montre qu'il est fort, mais pas trop non plus. Genre, faire des passes, c'est un peu compliqué. J'ai trouvé con pendant cette première période. Et le pas but. Cool. Ah, oui, il cherche un partenaire avant la profondeur. On tire. Ouais, ça putain, passe largement au-dessus du but. J'ai rien dit, c'est vraiment nul. Bapapeng, bapeng, bapapeng, bing, bing. Ça va pour Kobo. Comment ça va être projet en point? Enfin, 0,1. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. PNB. Il choisit la frappe et repousse le tir. George Seville, Johnny Hobson, Alexis et le Marquers. Allez. Oh, le but de Santi. Elle est là. Il est juste très très fort. C'est une action vraiment, vraiment bien construite. Une bonne séquence de possession collective pour ensuite aller remporter un face à face avec le gardien. Et ils prennent le large grâce à ce but. Ouais, ils ont la main mise sur le match maintenant. Bah, ils ne peuvent rien subir. Bah, clairement, ce match tourne à leur avantage. George Seville, Johnny Hobson, Zen Kims. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Bon, attention, ça peut faire but. Ce joueur qui est en train de remercier son entraîneur. Là, c'est la plus belle des façons. C'est ce qui sont très très mauvais. C'est exceptionnel. Wow, je suis très très fort. Là, j'ai rien touché. Pour une fois, à payer. Cette équipe a dominé beaucoup du match.
et ça commence vraiment à se refléter au tableau d'affichage. Vérifier si vous voulez. On vérifie ensemble. 0 triche. Je remets par défaut. 0 triche dans ce but. Très fort. Thomas le croit. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Alexis et les Makers. Et je suis là, frère. Allez, on va travailler. Mais ils sont vraiment très très loin. Là, il y a zéro problème. De cette distance, le gardien, il peut rien faire. On a laissé trop d'espace au buteur sur cette action. Il n'a rien touché. Hein. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Obi Mikel. David Bolasie. Alexis et les Makers. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ah, il a le temps centré. La frappe. Corner. Comment on va-t-il le jouer, ce corner? Je reste quand même derrière. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Il prend sa chance. Encore putain. Allez, ça va peut-être lui redonner confiance. J'espère pour lui, parce que pour le moment, c'est vraiment pas terrible. Parce qu'on est là, on sait jamais. Un corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, c'était dangereux. Voilà, c'est encore mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. 5 corners depuis le début. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de là. Elle la voilà la frappe. Ouais, ça passe pas loin. Un bon tir, j'aurais dû tout jouer dans le rack, mes ailes. J'aurais pas dû tirer. J'étais trop gourmand. George Frame. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. Entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors t'as un favori, Hervé. Je fais confiance à l'entraîneur. Course poursuite bondée, ça fait. Sven Kims. La brillante très belle. Les 30 derniers mètres. Le tir. Purée, mince. Et son joueur, il a contré. Ouais, la frappe. La putain, quand même, la fin. Le gardien se réveille à la fin du match. C'est incroyable. Non, j'ai perdu mes notes. Donc, juste avant la fin, quoi, je perds mes notes. Petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Et les deux entraîneurs procèdent à des changements. On a gagné, je me fous. C'est tout ce qui importe. Et si je suis joueur du match, ce sera cool. Homme du match. Là, j'ai monté en général. Le but, j'étais à 67, je crois. En tête, putain, c'est horrible. À cause de TikTok, là, je l'ai en tête. Objectif en championnat, je sais pas quoi leur objectif, du coup. Alors. Cette saison, ce qu'ils veulent. En championnat, pas autre. Donc, en championnat, une note moyenne de 6 par match. Marque ou participe à moins de 5 buts. Taux de passe réussie de 65% ou plus, et je dois créer 30 occasions de but. Ça va être compliqué. 32 matchs dans un match, dans une saison, dans un joueur, c'est bon. Easy. Pour poursuivre bondé, ça fait. Ça va les bugs de maillot. Ça fait dégueulasse. Attends. Je dois juste mettre mon maillot de rentrée, s'il vous plaît. Un minimum, un de respect. Le maillot rentré, c'est une très très mauvaise idée. Je reste là-dessus. Le maillot rentré, pas beau à voir.
pas, genre, dès que tu commences, t'es pas obligé d'avoir un maillot rentré. Tu peux l'avoir dès le début. Course poursuite bondée, ça fait vroom vroom. Vroom vroom. Il y a un truc placement offensif plus 1 qui va rester jusqu'à la fin, je crois. Ce qui veut pas partir. Peut-être augmenter la difficulté des bots. Ce serait peut-être mieux. Je me dis. Je crois là c'est en semi-pro, mais de base moi en semi-pro quand je contrôle toute l'équipe je suis vraiment très mauvais. Du coup peut-être que là tout seul vu que je suis pas le seul à jouer. Là, je... bon. On va voir qui arrive à prendre le dessus sur son adversaire, n'oublions pas qu'on est quand même en pleine phase de préparation. Et dans ce match nous allons retrouver le club allemand du FC Nuremberg face à Anderlecht. Il faut pas tout de suite marquer, c'est pas possible. Voilà Kobo, c'est bien. C'est un milieu à 3 hein, qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. Ah putain, ça se fait pas. Ça, ça se fait pas, c'est pas grave. Nous découvrons maintenant la composition d'équipe. Ok, GG. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1 en français. J'ai des pulsions comme ça. Je suis très mal dans ma veste. Je crois que je vais faire le début. Oh, bah, là le joueur à suivre c'est moi du coup. Deux buts lors de son dernier match, match la dernière fois. De même, c'est évidemment la j'ai explosé les records. Purée, mais c'est pas possible. C'est dégueulasse là. C'est pas gentil ce qu'ils font. Ils sont en train de me tacler les frères. Pourquoi, à cause d'eux je perds des points. Ah mes frères. En plus c'est chiant là, le placement français ça me dérange. Le jeu il est tellement parfait. Ouais, il est tellement bien fait. Zéro bug. Et ce sera un corner. On a l'habitude à FIFA. Hein. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Le corner en direction du point. Oh là-bas. Oh le but. Le premier but dans ce match. C'est FCM, ça c'est bon pour la confiance. Maintenant le mieux ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri. La bonne dame. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Alexis, c'est le Marquers. La voyant très belle. Elle s'est bien centrée parce qu'il y a du monde. Elle a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Quelle passe incroyable. Sur cette interception. Je crois qu'en fait, FCN, là, l'équipe avec laquelle. Non, mais frère, ne fais pas de carton comme ça. Fais pas de faute. C'est moi qui joue, il a crash. Le jeu, il a vraiment crash. Mais non. Alors, de 1, ma manette s'est retirée. Donc, je dois la reconfigurer. Le jeu a planté parce que ma manette s'est déconfigurée. C'est fou, non? Que le premier match que j'ai fait, il est pas, tu m'as fait pour rien. S'il te plaît. S'il te plaît. Ça fait vroom vroom. C'est
qu'elle est pas ouf. Pourquoi je l'ai en tête? Ça devrait être sur Animal Crossing pour m'apaiser, frère. Moi, quand je vais pas bien, je vais sur Animal Crossing et tout est réglé. Je vous jure, c'est vrai. Je compte ça fait vroom vroom. Oh là là, oh là. Du coup, ça va. Le match s'est pas enlevé. C'est quoi pour le prochain match? Je vais le simuler. C'est-à-dire, genre, je vais pas être dedans. Parce que, on a vu ce qui s'est passé. J'ai pas trop envie de vivre en match nul. Ça va. Ça va. Je peux m'entraîner et tout. Putain, 2018, c'est tellement loin. 3 ans. Et putain, mais en fait, l'année prochaine, c'est déjà la Coupe du Monde. Ah, ouais, chaud. C'est déjà la Coupe du Monde. Que je peux acheter en fait. Moi je suis en carrière. Ah ça c'est sympa ça. Voilà mes prochains matchs. Ils seront plutôt mes prochains entraînements seront soignés. C'est ce qu'ils me disent. Voilà le match contre Parma, j'aimerais le faire. On les a fait. Frère, ce maillot sont très différents. Enfin, sauf celui-là, mais niveau couleur, c'est pas le même. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas beau. Les gars, quand vous prenez un maillot, prenez un beau maillot. Pas ça. Et voilà, No Man's Deco, j'adore ma vie. J'ai juste remonté mon micro. Et je crois que du coup. Justement, hein, pas trop le choix. Non, c'est bon. Attends. Ok, c'est bon. Troisième et dernier match de la phase de poule. On avance dans cette coupe européenne internationale. Non, mais c'est bon. Vous découvrez maintenant la composition d'équipe. L'entraîneur a choisi de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. On découvre ensemble la composition de l'équipe. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. La brillante très belle. C'est le grand jour hein, pour ce défenseur central. Il dispute son premier match depuis son transfert. Espérons pour lui qu'il trouve rapidement le bon tempo. Gerkens. Alexis et les Markers. Récupère le ballon sur cette interception. Ok. Holden Vranget. Radovic. En fait, je vous ai piqué un peu. La brillante très belle. En fait, la manette, là, elle oui, ça circule bien, elle construit tranquillement. Le décalage, on va dire. En fait, les touches sont pas mises au bon endroit. C'est pas les touches. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. L'équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balle. Ah, c'était dangereux. Mais la défense, c'est pas possible pour faire une bonne note. Grand soulagement. Il va faire changer ça. M'arrange. Voilà, on signe la fin du match, s'il te plaît. J'aimerais. Allez, ok, voilà. Alors, pour être sûr,
être bon. Par contre, on met Thomas. Mais on est sûr de savoir si qu'elle sauvegarde. Et on fait OK. En forme de jeu, on le relance. Paf. Toi, tu dégages. Pas. Enfin, je crois. Non, tu dégages pas. Ce que je veux dire. Non, 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 ça fait vroom, vroom. Oh purée, je suis exténué. Vroom, vroom. Attendez, ça me chatouille le nez. Juste pas que je pose ma manette en fait, c'est le problème. Si je pose ma manette, le fil il saute tort et tout. C'est chiant. Attends, dis-moi ma nouvelle manette. Qui arrive normalement demain. Enfin. Attends, je te dis ça. On arrive demain. Semi-pro, tu sais quoi, on va passer en pro où je contrôle que mon joueur et on tente hein. Là c'est au joueur, pas à moi, enfin aussi à moi, mais c'est au bot aussi hein. Parce que aussi le bot il est en pro, du coup si j'ai mis les bots en pro, tous les bots sont en pro et du coup c'est plus facile mais aussi plus compliqué, évidemment, obvious, you know it's fucking obvious. Non mais d'accord. Très silencieux juste pour un entraînement. On va retrouver deux des quatre meilleures équipes de cette coupe européenne internationale. Okay, oui, avec des places en finale en jeu, donc c'est très important. L'affiche du jour aujourd'hui, Huddersfield Town face à Anderlecht. Ah ouais. On découvre ensemble la composition de l'équipe. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on se souvient, c'est le système utilisé français en 98 mais aussi en 2006. Voici donc la composition d'équipe. Même schéma tactique pour notre équipe. Pierre, ce sera bien un 4-5-1. Oui, les deux entraîneurs ont choisi d'aligner un milieu à 5. Autant vous dire que les deux joueurs alignés en pointe vont avoir un sale boulot à faire. Oui, c'est bien. On vient de prendre l'avantage. Mais c'est très bien ça. Bravo. Le jeu t'aime bien. Regarde-moi ça. T'apprécies tous. Même les supporters, ils t'adorent. Le gardien qui ne peut pas faire grand chose hein, sur cette action. Il a fait un dribble dans un marquant. Le mec, il est insolent. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Elias Kachinga. Oh, il est passé. L'action continue. Alex Pritchard. Il la joue un petit peu comme on rentre. Il faut tourner. Elle la voilà, la frappe. Oh là là, c'est pas passé loin. Non, c'était pas mal joué. Il faut tout de suite oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque.
Antony Milic. Ah, la passe mal ajustée, il récupère un ballon facile. Jonathan Hogg. Ok. Alex Pritchard. Allez, petit char. Ouais, lumineux cette passe. Ah, il rate c'est quoi cadre, ce mec, c'est des petits chars. Merde, j'appuie sur X et du coup, le mec, il me fait une passe. Il intercepte. Attends, je me gratte le nez. C'est horrible, c'est gratte. Bon, c'est qu'au début, je fais un truc où je dois pas faire bouger quelque chose. Alexis, c'est le marqueur. D'accord, il m'abandonne. Il est pas content, c'est un peu. Un bon ballon d'attaque. Encore un dégagement pour le danger. Dirkens. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé. Jorgensen. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Dévié. Touche. Et donc Ayembe. Cette demi-finale de Coupe européenne internationale, le premier match à élimination directe de la saison pour cette équipe. Ouais, bon, l'enjeu n'est pas colossal, n'oublions pas, mais bon, dans l'esprit des supporters, de l'entraîneur et du dirigeant, ça reste une compète avec un titre au bout. Et voilà l'occasion. Ouais, bonne prise de balle. Presque. Pas bonne frappe. C'était osé, mais ça a failli. Il m'a passé. J'étais en plein dans devant pour le regarder. Williams. Mais c'était con. Jorgensen. La passe en profondeur. Moi, j'adore cette couleur. Avec un tir. Enfin. Ah, ça y est, le danger qui s'éloigne. Plus ou moins frappe. Oh, la défense a eu chaud. J'ai ragé, on va dire. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Mes frères aussi, je trouve zéro village. Il n'y a pas de village. Le seul village que j'ai eu, il y avait un golem. Le truc, c'est que j'ai fait de la merde et il m'a tué. Je joue sur FIFA pour me détendre. Et j'ai créé un perso, il s'appelle Thomas de la Thomas le Croix. Il est très sympa, hein. Il est japonais. Et ouais. Si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. Ouais, on passe par les côtés. Intercepté. La défense est quand même sous pression. Allez, ils vont jouer la touche. Je te donne ici. Non, je suis en vrai. Non, non, moi, le speedrun que je vais faire en random seed. Sinon, c'est pas un vrai speedrun. Mais ça. Non, c'est ça. Ouais, il se rend un petit peu d'air avec ce dégagement. Après, si je suis le seul à faire ça, Jonathan c'est pas Hogg. Normalement t'es obligé d'être en random seed. Williams. Bah après c'est une autre catégorie de speedrun. Moi je vais faire la 1% glitch chess, 600 glitch. Et allez, c'est mon random seed en cours. Enfin, je pense qu'il va, je sais pas. Par contre ton micro est très bas par rapport au son du jeu. Mon micro, je peux pas le régler, par contre le son du jeu, ça je peux régler. Du jeu, je le mets comme ça si tu veux. Par contre, mon micro, je peux pas l'augmenter. C'est un problème. Mais du coup, ouais, je sais pas si j'ai le droit à la seed. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis un débile. Oh, hein, j'ai connu Minecraft, t'étais pas né. Ah bah non, si en fait. Parce que t'es né quelques mois après moi. C'est débile ce que je raconte. J'ai joué au Minecraft. Je savais pas compter par 10. Ah, ah ça t'embouche un coin. Hein. On s'en fout, tu t'entraînes juste. J'ai eu 10 ans pour m'entraîner. J'aurais dû. J'ai jamais battu le dragon. Je vais t'avouer un truc. J'ai jamais battu le dragon. Voilà, c'est un truc. J'ai jamais battu le dragon en forme legit, tu vois. Donc en speedrun, c'était trop compliqué. Moi je faisais que du créatif où j'allais tuer le dragon avec des trucs hyper enchantés, trop cheatés. Voilà.
centre incroyable. La frappe, oh ça va à côté. Je sais faire le MLG Water et le Sportail. Le MLG Water, ouais, j'arrive à le faire. Par contre, le Sportail, c'est trop compliqué. Je sais pas, je comprends pas la technique. Il faut que je m'entraîne à ça aussi. Mais ça va, ça je peux le faire demain. Moi je pense que le portail ça va être la partie la plus compliquée à faire. Mais frère, mais comment t'as vu comment il tire aussi? Comment on peut gagner avec des trous de cul pareils? Ça fait vroom vroom. Ça fait vroom vroom. Voilà Thomas de la Croix là, trop fort. Il est en milieu de terrain, il sait faire des passes. Le portail, je t'entraîne un peu, ça va. Mais aussi. Est-ce que on est d'accord, le ghast c'est la pire chose qui peut exister dans Minecraft? Ou je suis le seul qui pense ça? Frappe de Thomas de la Croix. Oh quel but incroyable! Attends, je suis sorti de général, je suis en pro quoi. Plein dans la lune. Eh ben, je crois que je suis le seul vraiment qui trouve que c'est dégueulasse là. Le plus compliqué c'est les blaze rods et les perles. Les perles, je crois qu'il faut faire des échanges avec des piglins, piglins, j'ai oublié le nom. Moi je déteste les Enderman, et... ouais avec les creepers. Les ghasts, les creepers, les Enderman, c'est... Après les creepers ça va, genre physiquement ils me font pas peur. Ils font sursauter, c'est évident. Mais les ghasts, physiquement et audioellement, c'est dégueulasse. Genre c'est un truc avec des tentacules. Et quand il est très près de toi, tu touches les tentacules. Ah c'est dégueulasse. Les Enderman, le bruit qu'ils font. Un bruit horrible. Je crois que c'est un. En plus il téléporte, c'est après. J'aime pas. Il va me s'entraîner. Pas récupère la balle hein. C'est pas incroyable. Carotte, ouais, il faut d'or pour échanger avec les pignons. Si tu veux, demain on s'entraîne à deux. Ah, ouais, ce serait cool, vraiment très cool. Reste en position, mais je suis en position là. Par contre, ça dépend l'heure parce que demain. Attends, demain 18h, j'ai un truc avec des... Je vais faire un jeu de rôle avec des gens. Donc, faut s'entraîner avant 18h. Enfin, même pas la même map. C'est mon compte Minecraft. Mon compte Microsoft veut ma mort, mais tranquille. En fait, il se passe quoi avec ton compte Microsoft? Je veux savoir. Explique. Genre, il veut pas se connecter? C'est un truc. Je comprends pas. Thank you.
ouais, ça doit être horrible. Moi, je pense que je suis pas homme du match. Hein. Oh non, c'est à pire. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit homme du match? Alors, on va savoir. Il a fait une passe décisive. Il a fait 12 passes réussies. En fait, il a tout réussi. Tout ce qu'il a fait, il l'a réussi à 100%. Il a beaucoup de 100%. Genre, t'as réinstallé, désinstallé, réinstallé le jeu, t'as... Je sais pas, t'as fait des trucs, non? Enfin, on fait les petits entraînements, il passe niveau 69, yes! Bientôt le 70, on le vise. Ouais, t'as fait. Bah, je sais pas. Attends, dans la vraie vie, en tout cas, ça doit être horrible. Mais impossible. Impossible, ça. La fonctionnalité d'intégration de Twitch, je sais pas du tout, je pense pas, je sais pas comment on fait du tout en fait. Faut que je regarde après. Pourquoi tu veux faire des sondages? Mais des sondages sur quoi? Et avec qui? Parce que des sondages, faut des gens pour faire des sondages. Si t'as pas de gens, tu fais comment? Je sais même pas si je peux en faire ça, le truc. Je sais pas, genre peut-être faut être partenaire Twitch pour le faire. Dans le tableau de bord. Je sais pas. Je préfère quoi, Manu Ketchup? C'est intéressant de savoir. Moi je suis team mayo. Peut-être parce que je mets de la mayo dans à peu près tout. Dans ma salade, dans mes tartines, je mets de la mayo partout, frère. Je suis team mayo 100%. Dans le ketchup, c'est devenu trop surcoté. Ketchup surcoté, mayo sous-coté. Non, la mayo, on reste surcoté. Le vrai, c'est le Brésil. Ça, c'est sous-coté. Red Dead Redemption 2 surcoté, alors que Céleste sous-coté. Alors, joueur à suivre, Thomas Lecroix et Otrejo. Je sais pas c'est quoi son nom, donc je dis la première lettre. D'abord, je vais chercher ma couleur pour mes cheveux. Ah, tu vas changer de couleur et tu vas prendre quoi comme couleur? Il y en a qui est très mauvaise passe. Il y a faute là, monsieur l'arbitre. Taclé par le dos, il y aura faute 100%. Le mec, il te déchire la gorge. Oh, t'es caté, il n'y a pas faute. Tu touches à peine le mec, il tombe à terre. Carton rouge. Je verrai. T'as déjà des idées ou pas, genre... C'est pas moi, bleu, vert, orange.
un rose, un vrai rose, pas un bordeaux. Même si c'était très joli, hein. Mais genre, en un an, toi, t'as... Je pense que c'est la coloration de cheveux qui fait ça, mais genre, t'es devenu tellement viril. Genre, t'étais, je me rappelle, en remédiation maths, t'avais une tête d'enfant. Puis là, avec ta coloration, t'as plus ta tête d'enfant. T'as... Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est pas gentil. De Thomas Lecroix. Oh, le but. Oh, le but dans la pute. Petit DR, non. Ah, bah, je trouve. Je trouve que la colo t'a changé. Genre, ça, t'as eu plus 3 bonus virilité. Et moi, j'ai perdu de la crédibilité. Ah bah oui, bah faire un rap de merde dans une vidéo avec un mec qui a plus d'un million d'abonnés, c'est pas une bonne idée, hein. Yes, je marque le but de la finale. Très bon joueur de Thomas Lecroix. Très bon jeu offensif, défensif, tout ce que tu veux. Mercansif, il n'y a pas des mots en sif, offensif, défensif, additif, c'est pas un sif. Je sais pas. Il y a des mots qui disent par sif. Il est l'heure de se cultiver. Ah oui, c'est le truc. Des savoirs inutiles, mais ça, quoi ça sert? C'est inutile, évidemment, mais c'est drôle. Ouais, la colonne peut-être de la beauté, mais pas de la vérité. PDDR, mais t'as plus de tête de gamin en tout cas. Si t'as changé ta tête de gamin, tu vois. Genre, quand tu vois, quand Logan il t'envoie la photo, il envoie la photo de toi avec où il avait écrit fuck. Et t'avais une espèce de truc en main, une pièce, on dirait. Bah là, t'as une tête de gamin. Et ensuite, t'as fait ta colo, t'as plus ta tête de gamin. Moi, j'ai toujours ma tête de gamin. Moi, en vrai, je pense qu'une colo, ça me va pas. Je sais pas pourquoi, mais je me dis, la colo, ça ne va pas sur moi. J'essaie d'imaginer, moi, avec une colo, ça, il y a un truc qui cloche. Non. Mais Thomas, concentre-toi. J'ai l'impression de parler à quelqu'un de ma classe. Thomas, concentre-toi, Thomas Lecroix. Je voudrais suivre Thomas Lecroix. Transfert confirmé, Alaba va en Juventus. Et vu un joueur au PSG, je crois que c'est un joueur allemand. La passe. Thomas Lecroix a un très mauvais tir, hein. Il n'a pas tort. Genre, toi, t'as pas école demain, Tiro.
pas ça. Tire. Non, mais je te demandais pas à toi de tirer. Fais la passe. Non, je trompais de joueur. Si. Ah d'accord. Ce ah d'accord tellement peu confiant. Je contrôle de maths. Ah ouais, c'est vrai que lundi on aurait dû avoir contrôle, mais à cause de la classe fermée, bon on l'a pas eu. Tire. Et oui, le but. Et le but. Quel but de Bolasie. Moi je pense que je suis toujours homme du match. Allez. Oh, ah oui. Vu que ça va être la finale et c'est bientôt la fin du match, je crois que je vais rester. Incroyable, ce sera incroyable si c'est vrai. Je vais pouvoir soulever le trophée. Bon non, c'est le capitaine qui soulève le trophée, pas moi. Et je ne suis pas le capitaine. Le capitaine, c'est pas moi. C'est le numéro 2. On l'a vu, le brassard qu'il a. Et sur le bras. Je sais pas lequel. C'est un gros bordel là. Il y a un gros bordel. Comment ça, placement incertain. Mais mange tes morts. Je fais un super match et tout. Mon placement il est nickel. Placement incertain. J'ai pas le temps de me placer en plus. La tête. Pas ouf. Faut l'attaquer. Faut l'attaquer toi. Allez chien, attaque. Vous savez pas attaquer, vous les chiens. Pourtant un chien ça attaque. Quand son maître le dit. Moi quand mon maître il me dit attaque, je le fais. Enfin bon, je peux pas l'attaquer vu que je suis pas réel. J'ai pas vraiment de maître puisqu'il me dit pas de le faire. Vu qu'il est pas méchant mon maître. Enfin, la personne avec qui je suis. Je parle en toute nagasse finalement. Putain, nique ta mère. Frère, mais t'es débile. Il est con ce gosse. Allez, attaquez. Attaquez que je vous tape. Bon, on a gagné la finale. C'est ce qui importe. Et si je suis en plus homme du match, moi ça m'arrange. Oh, t'es deg, hein. Eh ben, fallait pas venir nous faire chier. Oui, on va sauver le trophée. Bon, c'est pas moi qui le soulève. C'est Kara. Mais je suis à côté de Kara. C'est pas vraiment Kara, le mec. Je remplace le A par un I. Ah, tout le premier A par un I, ça fait Kira. Ok, je suis derrière lui. On soulève le trophée ensemble, non? Non, on le regarde soulever, d'accord. Il m'en regarde dans les yeux, il m'aime bien. Il veut me pécho, ça se voit. Regarde, il me regarde dans les yeux là, il me regarde un peu trop, il me fixe. Faut me fixer un peu, monsieur. On célèbre ça ensemble. Les confettis qui passent évidemment à travers le public, à travers le sol. On peut le voir hein, dans tout endroit. À chaque fois qu'il y a des confettis, bah ils traversent le sol. C'est évident. Il est où Thomas? Je veux le voir. Je le vois pas. Il est où? Ah si, il est à droite du gardien. Il est derrière un mec en fait. Du coup on le voit pas sur la photo je pense. Première sous la pluie et j'ai gagné 69 de général évidemment juste trop fort. Et je suis l'homme du match évidemment, c'est tout à fait normal. On a gagné un trophée. On a niqué l'Espagne. Le joueur dans la compétition, c'est Bibi. On attend à du rebondissement pour notre premier match de championnat. Ça passe contre Saint-Tron, je crois, mais je suis pas sûr. Bientôt le septembre de général. Très très bien ça.
Est-ce que c'est Saint-Tron? Ah non, c'est pas Saint-Tron, c'est Courtrai. J'ai confondu, désolé. Faut avoir un truc. Bon, moi je vais te laisser à plus. Ouais, moi je vais faire ce match, après je vais arrêter. Évidemment, parce que je suis un petit peu fatigué. Ça fait vroom vroom. C'est quoi, on va être champion contre Courtrai? Là, faut jouer très stratégique. Je sais pas parler. Faut jouer très stratégique. En tout cas, moi, je dois jouer très stratégique, ça c'est sûr. Je sais même pas parler, ça m'énerve. Il fait des beaux centres, c'est pas ça. Mais il faut que ça touche la cible. Bon, ça c'est un but. Bon, c'est quand que je vais toucher cette putain de cible? Ah. Putain. Mais nique ta mère. Ton chien, ton frère. C'est parti pour le match contre Courtrai. En champion, évidemment. Parce que je suis sadomaso. Enfin, maso tout court, en fait. Je sais pas en quoi je m'embarque. En plus, je reconnais même pas les couleurs. Oh, je pensais que ça aurait été reconnaissable, mais même pas du tout, en fait. Je suis perdu. Les daltoniens, PLS. I'm not daltonien, but I'm in PLS. Obviously. Bigalke. Ça va trop vite. Comment je peux... Ah, j'aime pas quand ça va vite comme ça. Et on se prend un but. Jamais joué en champion, je pense. Mais frère, mes potes sont pas en champion. Ils sont en semi-pro, je pense. Mais c'est impossible de marquer. Reste ici un peu dans putain. Non mais riche Condé, ça fait vroom vroom. Oh, c'est fatigant. Enfin, c'est chiant surtout. J'aime bien le jeu, mais là j'arrive pas, je suis perdu. Le champion c'est trop complexe pour moi. Je ne joue qu'en semi pro, moi je suis désolé. Et non en surimi évidemment. En semi pro, ça ressemble beaucoup à surimi. Donc voilà, je précise pour les gens qui n'ont pas bien entendu, qui pensaient que j'ai dit surimi. Non, semi pro. Pas sur une. Et ouais, reste en position. Je suis en position. Enfin, on m'a jamais dit que je l'étais pas. Est-ce que s'il vous plaît,
Ouais, ce calme sur le pas, c'est marqué. Ouais, tu vois, à force de faire des passes, je finis comme ça. Mais voilà, arrêtez de faire des passes. Et jouez concret. Faites trop de passes, les gars. Se calme sur les passes. Voilà, là tu vois. Je feinte, je centre. Il tire. Bon, c'était pas censé. Il était pas censé l'arrêter. C'est pas dans mes plans. Mais voilà. Putain, j'ai cru que c'était un ami. Mais ça me saoule de pas savoir. Le espèce de rose saumon et le blanc, j'ai du mal à différencier les deux. Surtout quand ça va trop vite. On va se calmer. On est à 130 images par seconde. 140, 150, on tourne dans les 150 images par seconde. C'est trop rapide pour moi. Je suis un humain faible. Vous me laissez dans ma fragilité. Je ne suis pas un putain d'ordinateur. Ça, c'est de la torture ce que je suis en train de faire. Hein. Là, je vais rester en pro, semi-pro. Moi, je suis bien. C'est pas ma faute si le champion c'est trop compliqué. Hein. Moi aussi, c'est écrit champion, quoi. Je dois me douter de quoi. Bah, de rien du tout. C'est le nom. Champion. Forcément qu'il y a un truc pas net là-dedans. J'avais envie de faire de l'ASMR. On a vu ce qu'on dit, ça fait... Froum, froum. Ta mère va bouffer du camembert. Je te tacle. Allez, allez, allez. Cohésion d'équipe. Cohésion d'équipe. La communication. Oh mes frères, mais nique ta mère, franchement. La plus grosse pute de France, c'est toi, la plus grosse pute du monde. eSports. De 1, votre jeu il est pété, il est bugué. De 2, ah, ça va trop vite. Votre jeu il va trop vite, monsieur. Arrêtez-vous. Vous êtes en un essai de vitesse là. Et moi qui sais pas parler. Je sais pas dire dyslexique. Voilà. Je sais même pas si moi-même je suis dyslexique. Non, j'essaie de dire un dyslexique. Je sais pas, dyslexique. Dyslexique. Ah, j'ai réussi, attends. Dyslexique. Non, j'arrive pas. Dyslexique. J'arrive pas à dire. Je suis trop totalement dépourvu de mes capacités. Ceci ne relève que de ma compétence. C'est ça la phrase de McGonagall. Après, là, je connais pas Harry Potter. J'ai pas vu tous les films. J'ai vu aucun film. Parce que ça m'intéresse pas. Je suis désolé. Zimata, très belle. Comme ça. Admin, Explorer, Sauvanis, je te tacle. Rien à foutre, mauvais tacle. Je veux juste les niquer. Tacle-le, toi. Dans la vie, faut tacler les gens. C'est ce que mon sensei m'a dit. C'est qui, mon sensei? C'est Sergio Ramos. Sergio Ramos, Sensei.
j'en ai rien à foutre de mon placement, nique ta mère. Moi, je veux juste marquer. Et pour marquer, c'est pas compliqué. On s'en fout du placement, faut juste tirer. Plus, il reste pas beaucoup de temps dans le match, il faut se dépêcher. Mais frère, aussi, si tu fais des passes de ce niveau. D'être échangé, laissez-moi être remplacé. J'aurais dû me remplacer dès le début en fait. J'aurais dit que c'était une mauvaise idée, j'aurais pas dû commencer. J'ai touché quasi 2 secondes le ballon, frère. Personne me fait de passe, je n'existe pas. Non, mais c'est bon, je recommence le match. Je demande un remplacement. Ce que je fais, c'est que je vais faire un truc très simple. J'en ai rien à foutre. Je vais sauvegarder. Je m'en fous, allez, je pose la manette. Et je laisse ma moite. Je ne jouerai plus jamais en champion de toute ma vie. Et du coup, là, je vais augmenter certaines capacités. Vroom. Bonjour, moi je vais te laisser, ça fait vroom. Ensuite tu vas faire des de défense, puis tu vas faire des coups de pied. Arrêtez, moi je vais tout simuler. Non, moi je veux simuler, je veux pas le faire. Ouais. Mais voilà, je veux pas le faire, moi, quitter. Bon, bah, c'est un F de base. Allez, s'il vous plaît, passe niveau. Non, il passe pas niveau 24. Je suis triste. Vous savez quoi? On va sauter un jour de Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, s'il y a un match, je voyais un match, je vais le passer juste pour faire l'entraînement. Parce que j'ai fait de la merde. Là, normalement, on aurait dû gagner. On va voir ça. On a gagné. C'était plutôt évident. On passe niveau 70. Ça aussi, c'est évident. Là, on est muy bien, très bien. Si on continue dans cette lancée, on va aller en équipe nationale, au Japon, obvious. Mais ça, ce sera dans le prochain live. Enfin, dans le prochain live. Pas dans le prochain live FIFA. Parce que le prochain live, je crois que ça va être de l'entraînement Minecraft. Enfin, peut-être. Ou alors, je ferai pas de live, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais m'entraîner avec Kiro. Voilà, donc on peut voir. Le chat, là ici, j'adore ce chat. Bon, moi j'y vais. J'espère que ce live vous aura plu. Moi, il m'a très plu. Je me suis. Comment dire? Je rage intérieurement de ce putain de village là de merde avec ce putain de golem là de merde qui m'a déboîté parce que j'ai mal mis putain de bloc de foin de merde. Bon, voilà. C'est tout pour moi.